Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus s'en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples, au dire des gens Qui suis-je Ils lui répondirent Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres, un des prophètes. Et lui les interrogeait Et vous, que dites-vous Pour vous, qui suis-je Pierre, prenant la parole, lui dit Tu es le Christ. Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que, trois jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna, et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre, passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Acclamons la parole de Dieu.